Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la première partie de la story de Nabil où il dévoile qu'il a rencontré Jazz à Cannes il n'y a pas très longtemps. Je vous laisse avec la vidéo. Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, on va enfin débuter la story tant attendue. Je tiens d'abord à m'excuser parce que j'ai pas mal de retard. Faut savoir que j'ai une vie à côté, je lis tous vos messages et je tiens compte de tout, même des mauvais. Enfin bref, tout ça pour vous dire, ça sert à rien d'insulter ou d'envoyer des messages de haine puisque ça ne va pas me faire aller plus vite, au contraire. Par contre, par respect, parce que je le dois à ma communauté, aux gens qui me soutiennent, la story arrive et j'espère que vous êtes bien accrochés. Je sais que j'ai l'habitude de les faire le soir, mais ça risque d'être un petit peu long. Donc je m'y prends tôt cette fois. On va commencer par recontextualiser, puisque vous savez que avant chaque story, j'aime recontextualiser des choses pour mettre les gens dans le bain et savoir où on se situe. Donc, pour reprendre de la base, vous devez savoir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, pourquoi j'étais en guerre, entre guillemets, avec la JLC Family. Qu'est-ce que j'avais contre eux qui me donne autant la haine que je veuille les voir couler à ce point? Puisque, je vais être très honnête, si j'aurais pu boire leur sang à un moment donné, je l'aurais bu, tellement que j'avais la haine. Mais avant d'arriver à cette haine, il en faut des raisons. Donc, je vais vous les exposer. Dernière chose avant de débuter, pour toutes les personnes qui se posent la question, oui, j'ai vu Jazz à Cannes. Maintenant, je vais y venir au fil de l'histoire, donc soyez attentifs et restez bien branchés. Donc, pour vous la faire courte, avant d'en arriver au fait, j'avais des conflits avec Magali Berda et avec Marc Blatta et sa femme. Ok ? Donc, ça s'est sorti sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire des stories, à exposer mes conflits publiquement, et suite à ça, il y a énormément de personnes qui avaient été arnaquées par ces gens-là et qui sont venues, qui ont commencé à m'apporter des preuves toutes faites contre eux, et moi je les exposais sur les réseaux sociaux, ce qui m'a donné entre guillemets ce titre de justicier des réseaux. Je suis monté en flèche sur les réseaux sociaux, chose que je ne m'y attendais absolument pas, et de là J'en ai fait mon boulot, puisque ça fait maintenant quelques mois que je suis sur les réseaux sociaux, ça marche plutôt très bien. Et de fil en aiguille, étant donné que Marc Blatta et Nadé s'affiliaient à Jazz et Laurent, qui eux leur donnaient de la force, je suis rentré également en conflit avec Jazz et Laurent, puisqu'ils prenaient leur défense publiquement. Et que quand moi ça a coupé, pardon, je m'acharnais à vous démontrer et à vous prouver que Marc Blatta était un escroc dans tous les sens du terme, elle, le refaisait monter en galop en le partageant et en lui donnant du crédit. L'élément déclencheur qui a fait que je me mette sur leur côte, puis après ça a fait un roulé-boulé, ils m'ont renvoyé la balle, puis moi à mon tour, puis et ainsi de suite, ça n'en finissait pas. Ça a été que elle avait accusé publiquement sa maquilleuse d'avoir vendu l'information que son fils était tombé dans la piscine à la public. Manque de bol pour elle, la maquilleuse c'était ma cousine. Personne ne le savait, mais du coup, j'étais au courant que Kayden était tombé dans la piscine, mais personne n'était au courant. J'aurais pu le sortir sur les réseaux sociaux et je ne l'ai pas fait. Donc, moi, ça m'a énervé parce que je me suis dit, attends, j'étais au courant, ma cousine, elle me l'a dit, j'aurais pu le sortir sur les réseaux sociaux et faire un gros buzz. Elle m'a fait jurer de ne pas le sortir parce que c'est son métier et je respecte tout à fait. C'est le secret professionnel. Et par derrière, l'information fuite, ils sont 20 dans la maison et elle accuse qui ? Ma cousine, d'avoir vendu à public. Mais dans ce cas-là, elle me l'aurait donné à moi l'information. Et moi, je l'aurais sorti et pas public. Enfin, ce qui est logique. Donc à partir de là, je me mets sur les côtes de Jazz et Laurent. Vous me suivez jusque-là ou pas ? Donc à ce moment-là, quand je me mets sur leurs côtes, je me dis c'est complètement légitime. Elle s'en prend à ma cousine sans preuve et elle s'en prend à son travail, à son business. Et par derrière, elle donne du crédit à Marc et Nadé, là où moi je m'acharne à vous démontrer qu'ils sont en train de vous escroquer et que c'est la douille du siècle. Donc moi, à partir de là, je commence à faire des stories sur leur business. Je commence à démonter leur business, à vous montrer comment ils font de l'argent. Mais en soi, ce que j'ai fait sur leur business, j'aurais pu le faire sur n'importe quel gros candidat de télé. Puisqu'aujourd'hui, permettez-moi l'expression, mais limite, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Je parle en ce qui concerne les business, leur site internet, etc. Arrivé à un moment, je faisais un peu trop de bruit sur les réseaux sociaux et du coup, il était, je crois, 2h du matin en France et j'ai reçu un appel. Donc, on m'appelle de Dubaï. J'étais avec ma femme elle me dit, c'est bizarre, un appel de Dubaï. Je réponds et j'avais qui au bout du fil?
profil, Jazz, Nadé, Marc et Laurent. Il y avait aussi Sissika, toute la clique, mais ceux avec qui moi j'ai parlé, c'était les quatre. Ok? Donc ça faisait 2-3 mois qu'on était en guerre sur les réseaux sociaux, et là, qui est-ce que j'avais au bout du fil? Les quatre de Dubaï. Donc je me dis, curieux de savoir ce qu'ils ont à me dire. Donc, on commence à discuter, je leur demande ce qu'ils veulent, et là, d'une voix toute douce, et rien à voir avec les personnes que j'avais en face sur les réseaux sociaux, ils m'expliquent qu'ils ne comprennent pas mon acharnement, ils me demandent ce que je veux, donc est-ce que je veux de l'argent? Je leur dis, mais est-ce que vous me devez de l'argent? Ils me disent non, je dis, alors pourquoi est-ce que vous me parlez d'argent? À la limite, il y avait des personnes dans le milieu qui me devaient de l'argent, aujourd'hui, c'est plus qu'un souvenir, ils me doivent plus rien du tout, puisqu'ils m'ont remboursé, mais eux, c'était pas le cas. Donc à partir de là, je leur ai très vite fait comprendre que j'étais pas là pour leur prendre de l'oseille, ou si je parlais sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que j'étais intéressé, c'était tout simplement parce que c'était mes principes, mes valeurs qui ont fait que on en était arrivé à cette situation. Mais sauf que voilà, eux étaient persuadés que j'étais payé par quelqu'un pour les démonter sur les réseaux sociaux et leur faire perdre de la crédibilité. Et moi, ce que je leur dis, c'est non. Si moi, toi, Marc et Nadé, si je vous démonte sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez fait un faux jeu concours. Vous avez fait croire que vous alliez faire gagner une maison et une voiture à quelqu'un. Personne n'a gagné, mais vous avez empoché les sous. Vous avez fait un vieux truc Excel, un tableau Excel, un tirage au sort du salon, sans huissier, sans rien du tout. De là, elle me dit, non, mais je vais te prouver par A plus B qu'en fait, c'est un vrai jeu concours, je vais te donner tous les papiers, machin, chose que je n'ai jamais eue. À la place, ils m'ont envoyé du monde, mais j'y reviens après. Donc voilà, on commence à parler, je lui dis, dans ce cas-là, prouvez-moi que je me trompe sur le jeu concours, montrez-moi que votre jeu concours, c'était un vrai jeu concours, preuve à l'appui. Toi, Jazz, excuse-toi auprès de la maquilleuse que tu avais accusée à tort publiquement, surtout que c'était Astrid qui avait vendu, donné l'information à une de ses copines qui l'a donnée à public. Je lui dis, à ce moment-là, peut-être que je pourrais me calmer. Ils me disent, c'est Magali Berda qui t'envoie, c'est elle qui te paye. Je leur dis, mais vous êtes loin du compte. J'ai la personne contre qui j'ai le plus la haine dans le milieu, c'est elle. Donc, c'est n'importe quoi. Donc, de là, ils me disent, alors si c'est vraiment contre elle que t'as la haine, c'est elle qui t'a, qui sur telle personne, sur telle personne, sur telle personne, et j'arrête sur vous. Au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Je vous explique. Donc, quelques jours après, je suis à Paris. Faut savoir que pendant que j'étais à Paris, Nadelle m'a envoyé des messages. Salam alaikum, mon frère, on est en train de te préparer les dossiers, machin. Enfin, tout le monde était tout mielleux, tout gentil. Hein. Et tout allait bien dans le meilleur des mondes. Donc moi j'arrive à Paris, je croise Baby Driver, on va manger ensemble au restaurant et c'est vrai qu'on prend 2-3 snaps. Il est charrié un petit peu, petit coup de pression et je pense qu'ils se sont dit, bon, sachant que lui les avait déjà clashés sur les réseaux sociaux, qu'il était en guerre avec Nassim Pronostic qui traînait avec eux, ils se sont dit, bon, il y a un truc qui se prépare. Écoutez bien ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que j'ai encore plus la haine à la fin. Donc le soir, je rentre à mon hôtel et le lendemain, j'avais une petite prestation, un petit booking. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait le point B qui avait pris Manon Tanti et Julien Tanti pour venir faire de la pub. Du coup, j'avais chambré le point B sur les réseaux sociaux. Suite à ça, le patron m'avait appelé et il m'avait dit, tu sais quoi frérot, je lui fais sa pub, je snappais en direct. Or, tous les influenceurs, quand ils vont quelque part, ils snappent et tout, ils enregistrent une fois parti, ils envoient de manger, j'ai des personnes qui sont venues, mais qui sont pas venues pour manger un point B. Écoutez bien, je vais les annuler, j'enlève le flyer et tout. Viens-toi à la place. Je lui ai dit avec grand plaisir. Donc je vais au point B et moi c'était mes débuts dans le sens où j'arrive là-bas, je snap, je suis au point B dans leur story. Mais bon voilà, erreur de débutant. J'arrive, je lui fais sa pub et tout, je suis au point B, venez, c'est de la patate. Et 30 minutes après, pendant que j'étais en train. Donc j'ai des frérots qui rentrent dans le magasin, ils se dirigent, dans le restaurant, ils se dirigent directement vers moi, ils s'assoient à ma table, ils me disent on peut s'asseoir, je leur dis ouais. Ils me disent ouais, c'est toi Nabil El Moudni? Je leur dis ouais. Ils me disent nous on est venu pour régler le problème avec Marc Blatta et tout ça. Je leur dis tu veux régler quoi comme problème, sachant que le problème il est réglé. Le matin même, j'avais Nadé, je vous disais, elle me disait, salam alaikum, mon frère, on est en train de te préparer le dossier. Je lui dis, je les ai eu au téléphone il y a quelques jours. On est censé avoir réglé le problème. Donc, tu veux régler quoi, en fait? Donc, ils me disent, non, mais en fait, il faut que tu dises dans ta story que le jeu concours, il est vrai.
Je lui ai dit, mais ça, c'est prévu. Je vais même m'excuser, mais avant, ils vont me montrer tous les papiers. Tous les papiers, les documents qui prouvent que c'est vraiment un vrai jeu concours. Et à ce moment-là, wallah, je vais le dire sur les réseaux sociaux, je m'excuserai même. T'en rends compte si je les ai accusés à tort, ça fait des mois et des mois. Et là, il me dit quoi? Il me dit, non, mais en gros, tu vas le faire sans les papiers. Et là, je lui dis, c'est pas possible. Tu vas faire quoi? Tu vas m'obliger? Donc, il me dit, attends, on appelle Marc, il sort son téléphone, il me dit, attends, il n'y a pas de réseau, viens, on sort. Qu'est-ce que je fais? Je les suis, je sors avec eux. Il appelle Marc, il lui dit, ouais, voilà, il demande les papiers de l'huissier, je sais pas quoi. Et j'entends Marc, c'est qui? C'est la police d'Internet, lui? Passe-le-moi, je sais pas quoi. Du coup, il me passe le téléphone, je parle à Marc. Marc, il me dit, t'as vu devant toi, là? Là, c'est mes frérots, là. Et là, c'est mes frérots, là. Et tu vas t'excuser ou pas? Tu veux pas t'excuser? Tu veux pas t'excuser? Vas-y, repasse-leur le téléphone. Je repasse le téléphone. Ouais, en gros, il leur dit, enculez-le, mets-lui une tarte dans sa gueule et tout, nanana, fais-le s'excuser. Mais moi, c'est pas ça qui me fait, oh, vous comprenez pas. Plus tu vas vouloir me haggar, plus ça me rend sec. Ça veut dire, fais le gentil, pleure, c'est mieux. Si tu veux obtenir quelque chose de moi. Donc, écoutez bien. Je leur dis, ah ouais, en plus, vous voulez m'obliger, traînez-moi, faites ce que vous voulez sur le Coran, je ferai pas de vidéo. Ouais, donc, le gars, il prend le téléphone, il s'éloigne, je sais pas, il parle avec Marc, nanana. Le patron du point B, il voit, il sort. Il me voit dehors avec eux, il sort, il commence à parler avec eux et tout. Et il s'avère que le patron du point B, il connaissait un des gars. Heureusement d'ailleurs. Donc, il y a le patron du point B qui est en train de parler avec un des gars qui est au téléphone avec Marc. Et il y a un des gars qui est avec moi, je suis en train de parler avec lui. Et moi, je lui parle. Je lui dis, c'est comme ça, vous voulez me haggar? C'était des refs, vous avez le haya jusque là, au moins 35 balais à l'âge de mon grand frère. Je leur disais, vous voulez me haggar comme ça pour un fils de pute? Il a peut-être arnaqué votre sœur, arnaqué votre tante, arnaqué votre cousine, arnaqué toute la France. J'ai vous. Enfin bref, je comprends très rapidement que en fait ils ont été payés. Il me l'insinue et il me dit on en a rien à foutre de sa gueule. Le jour où il met les pieds en France, on lui coupe les jambes. Tellement, je vous jure sur la vie de ma mère que le gars avec qui j'étais, il m'a dit ça mot pour mot. Donc j'ai le patron du point B qui vient me voir, qui revient me voir et qui me dit, qui me confirme qu'ils ont bien été payés. 5000 balles chacun, il me semble. Du coup il me dit frérot, tu sais quoi, fais la vidéo à Aïchik. Tu fais une vidéo vite fait, je m'excuse, machin et tout. Et d'ici une heure, tu la supprimes et tu fais ton sga. Au moins, eux, ils ont pris leur oseille, tout le monde, il est content. Je lui dis, mais frère, moi, je vais tomber mon pantalon pour leur gueule, leur donner satisfaction, même si derrière, après, je dis que c'est pas vrai, machin. Il me dit, vas-y, Aïchik. Chose que je peux comprendre. Quelqu'un qui touche 1200 euros par mois, tu lui proposes 5000 euros pour aller faire une vidéo à un gamin, 5000 euros chacun. Je peux tout à fait comprendre. 5000 euros sur les réseaux sociaux, pour nous, c'est pas grand-chose. Mais pour quelqu'un qui touche un SMIC, c'est énorme. Donc, je lui dis, ok, je te fais ta vidéo. Je me mets devant le point B, je dis, la famille, le jeu concours, en fait, je me suis trompé, c'est un vrai jeu concours, je m'excuse auprès de Marc Canadé. Bam, je raccroche. De là, le gars, il appelle, il dit, c'est bon, il a fait sa vidéo, va voir la story, en gros, la story, elle est faite, khalas, maintenant. Et là, Marc, il lui dit, non, tu lui dis de s'excuser pour Jazz et Laurent aussi. Je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait une deuxième vidéo. J'ai dit pour Jazz et Laurent, pareil, je m'excuse. De là, ils ont reçu leur paiement. On me pose à la gare, je prends mon train et arrivé dans le train, je supprime la story et je vous refais une story. Je vous dis que voilà, on m'a obligé à faire ces snaps et que arrivé chez moi, je vous explique tout ce qui s'est passé. Écoutez, là, on s'approche de maintenant, ce qui concerne maintenant. J'ai bientôt terminé de recontextualiser. Donc à partir de là, je rentre et je vous explique tout ça. Qu'est-ce qu'il fait, Marc? Il dit ouais, c'est pas vrai, il a envoyé son pote, c'est un mytho, machin et tout. Est-ce que vous imaginez, ma mère, elle en a pleuré toute la nuit, elle n'a pas dormi de la nuit. Ma femme, pareil, j'étais à Paris, elles étaient dans le sud de la France. On m'a forcé, limite forcé, bon au final je l'ai fait de mon plein gré parce que je me suis arrangé avec les frères, mais on voulait me forcer à dire des choses dans ma story, tout ça parce que je disais la vérité. En gros, un papette, un lopette, il a voulu utiliser des méthodes de cow-boy de la rue sur moi. Voilà. Ça me faisait coller. Et en plus, il vous disait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi qui dénonçais seulement les business, j'ai commencé à leur dire, écoutez bien, à partir de maintenant, je vais commencer à mettre dans la sauce votre vie privée. Vous faites croire à tout le monde que vous avez une belle vie privée. Je vais vous niquer votre vie. Donc, j'ai fait parvenir à une amie que j'ai en commun avec l'assistant de Jazz, Emine, que j'avais ça comme dossier, ça comme dossier, ça comme dossier, ça comme dossier, et que j'allais les sortir sur Jazz. Suite à ça, j'ai l'agent de Jazz et l'ami qu'on a en commun qui m'appelle et qui me dit « Fais pas ça, pourquoi tu veux ruiner une
réputation, tu veux ruiner leur vie de famille, machin et tout. Ne sors pas ça. En plus, elle, elle a rien à voir avec ce qui t'est arrivé à Paris. Je dis, ah bon, elle a rien à voir? Je lui dis, on me force à m'excuser de Jazz et Laurent, machin, mais elle a rien à voir. Des gens qui ne la connaissent absolument pas. Je dis, vous prenez les gens pour des cons? Non, je te jure, Nabil, elle était pas au courant. C'est marqué Nadé, c'est marqué Nadé. Ok. Je dis, bah, dans ce cas-là, donnez-moi la preuve que c'est marqué Nadé. Puisque eux disent que je suis un mytho et que c'est pas vrai. Donnez-moi une preuve, puisqu'apparemment, il y a des messages avec Jazz et tout qui prouvent qu'elle, elle était pas au courant. Et que c'est seulement, ça, l'initiative vient seulement de Marc Enadé. Donnez-moi ces messages-là. Comme ça, je les mets. J'arrête sur Jazz et Laurent complètement. Et par contre, Marc Enadé, je les enterre une bonne fois pour toutes. Donc, on me dit, OK, Nabil, c'est bon, Jazz, elle est OK. On va t'envoyer toutes les captures qui montrent que elle, elle n'a rien à voir. Je dis, bah ouais, si vous voulez pas que je la mette dans la sauce, vous montrez que elle, elle a rien à voir. Et que c'est bien Marc Enadé. Je dis, d'accord, très bien. Je vous l'annonce sur les réseaux sociaux, je vous dis, ah ouais, moi je suis un mytho, je vais vous montrer que tout ce que je disais c'est vrai. Ils ont tellement eu peur qu'ils ont envoyé des gens pour me faire fermer ma bouche. Et je vous ai dit, rendez-vous tel jour, je vais faire un live avec Baby Driver, je vous mettrai les preuves, etc., etc. Pendant le live, j'attendais encore les captures. C'est-à-dire que on m'a pris pour un con une fois en me disant, je vais t'envoyer des informations, arrête de parler de nous, on va te prouver la gnana. Je leur ai dit, ok, je me suis calmé. Au final, ils m'ont envoyé des gens. La deuxième fois, je refais confiance, on me dit t'inquiète pas, Jazz, elle a rien à voir, on va t'envoyer les captures comme quoi elle a rien à voir, que c'est Marc Enadé. Et en plein live, j'attends et j'ai pas les captures. Et finalement, Jazz a décidé de ne pas me les envoyer, les captures. Donc ça m'a encore plus fait péter les... De là, j'ai dit c'est comme ça, tu voulais gagner du temps, tu me prends pour un con, ça fait deux jours que tu me dis je te les envoie. Et là, en plein live, j'ai 40 000 personnes dessus. Rappelez-vous, il y avait tout le game, il y avait Nabila, il y avait... Il y avait Thomas, il y avait Moujdad, tout le monde était dans le live en train de voir ce qu'allait se passer. J'ai perdu en crédibilité. À un moment donné, rappelez-vous, j'ai reçu un coup de fil, je me suis enlevé du live. Baby Driver, il faisait le pitre pour essayer de vous occuper. Mais en fait, parce qu'on était censé me les envoyer. Et là, je m'aperçois qu'on me les envoie pas. Je pète les plombs, le soir même, je vous fais une story où je vous parle d'un ex de Jazz, business, de Nice. Voilà. J'ai fait cette story-là. Le lendemain, Jazz fait une story en pleurs où elle dit « Ouais, mes amis, je meurs pour eux et je les défends jusqu'à la mort. Qu'est-ce qu'il y a ?» Donc, vous imaginez même pas cette phrase-là, comment elle m'a rendu fou. Donc, attends. La veille, tu pleurais, tu m'envoyais des gens pour me dire comment je voyais les choses. Pour me dire que tu n'as rien à voir, que c'est Marc Enadé, je vais t'envoyer toutes les captures. Et là, j'ai rien à voir, je vais t'envoyer toutes les captures. Et là, tu fais une story publique, tu dis « Ouais, je les défends jusqu'à la mort. » Donc, en gros, tu me dis en pleine face, je t'ai pris pour un con encore hier et t'as perdu en crédibilité dans ton live. Et donc, j'ai dit, regarde, pas de souci. Toi, Marc et Nadé, machin, je vous mets tous dans le même sac à partir de maintenant. Et voilà. Et après, la suite, vous la connaissez. Il y a eu énormément de stories qui ont suivi. Eux ont pris des avocats. On m'a coupé de mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Snap, pendant 2 mois. Là encore, récemment, quand j'avais fait une story sur Jazz, j'ai été déconnecté. Quand je me suis reconnecté, toute la story sur Jazz avait été supprimée. C'est incroyable. On contrôle mes snaps. Que ce soit de mon côté ou de leur côté. Tout est sur YouTube. Tout ce que je vous raconte, la famille. Pour ceux qui savent chercher, si vous allez juste sur YouTube et que vous faites la chronologie des vidéos, parce que tout a été reposté, vous retrouvez toutes les stories qui ont été faites. Maintenant, venons-en aux faits, ok? Puisque là, tout ce que je viens de vous dire, ceux qui me suivent depuis le début, ils le savent déjà. Par contre, là, tout ce qui va suivre, personne ne le sait. Ce qui s'est passé, j'avais calmé le jeu sur eux. Non seulement parce que mes comptes avaient sauté et que j'en avais, c'était mon sixième compte Snap. J'en avais marre de faire remonter des comptes pour qu'ils sautent. Donc, j'ai calmé un petit peu le jeu sur eux. Et aussi parce que, je vous dis la vérité, c'est un secret pour personne, je me suis lié d'amitié avec Wesley, qui était leur agent. Et par respect pour lui, j'avais un petit peu calmé le jeu à leur sujet. Donc, on est venu me voir pour me retourner la tête contre Wesley. On me disait, oui, Nabil, si tu savais ce qu'il fait derrière ton dos, il agit derrière ton dos, il parle mal de toi, voilà comment il t'appelle, voilà ci, voilà ça. Enfin, des choses, je me disais, c'est impossible. Et d'ailleurs, j'avais envoyé un message à Wesley en lui disant, voilà. Lui m'avait dit, mais jamais de la vie. Juste derrière, il y a eu des tweets qui datent d'il y a 10 ans qui sont ressortis à son sujet. À partir de là, je me suis désolidarisé et je me suis dit, bon ben, j'ai plus aucune raison de calmer le jeu sur Jazz et Laurent. Mon compte est remonté de plus belle.
j'ai atteint les 600, 700, 800K. Donc je peux repartir. Et surtout que il y a eu entre-temps le gros bad buzz avec Snapchat. Il me semble que Alice de Snap elle a vraiment calmé le jeu. Donc je me suis dit, je risque rien. Mon compte, il peut plus sauter comme avant. Donc là, vous allez comprendre, tout récemment, c'est pour ça que j'avais fait la story où je parlais du passeport, où j'avais parlé du clip de Naps, enfin bref, où j'ai parlé de plusieurs sites internet, donc j'avais repris de plus belle sur la JLC Family. Mais encore une fois, pour les personnes qui comprennent pas et qui disent oui, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement, là, machin, pour moi, c'était eux qui m'avaient hagab. Donc j'étais dans mon bon droit quand je faisais ça, je me vengeais entre guillemets des personnes qui m'avaient envoyé sur Paris et du fait de m'avoir fait couper des réseaux sociaux pendant 2 mois, du fait de m'avoir pris pour un con, de ma nia à chaque fois, oui t'inquiète pas on va t'envoyer machin, à la fin vous m'envoyez des gens, oui t'inquiète pas c'est bon je vais te donner toutes les preuves que j'ai rien à voir, au final rien du tout, tu fais une vidéo, tu dis je les défends jusqu'à la mort. Donc de tout ça a fait que j'avais une haine mais inconsidérée contre Jazz, vraiment. Tellement que de base, mon conflit, il était avec Magali Berda, c'est contre elle que j'avais la haine, j'y pensais même plus. Marc, pareil, je m'en tapais, pour moi c'était Jazz, la sorcière, la vipère, tu vois. J'étais persuadé de ça jusqu'à ce que. Donc écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Donc il y a 2 semaines à peu près, j'étais chez mon frérot Adel Inside Dombe, que vous connaissez tous maintenant. J'étais hier d'ailleurs aussi. Et il y avait le clip de La Femme Max, pour ceux qui connaissent, un rappeur lyonnais. Et du coup, il y avait l'agent de la Famax. L'agent de la Famax que je connais très bien et qui connaît beaucoup de monde dans le show business, que ce soit des gens de télé-réalité, des influenceurs, des rappeurs. Donc voilà. Et de là, il me dit, ouais, j'ai vu ta story et tout. Il me dit, franchement, c'est pas bien. Jazz, c'est ma russe. J'ai saigné du nez. Je lui dis, mais t'es sérieux? Tu viens me dire ça à moi? Il me dit, ouais, toi, t'es mon ref. Elle, c'est ma russe. Je lui dis, t'as vu, c'est moi, je suis ton ref. Elle, tu peux pas dire elle c'est ma rose. Si elle c'est ta rose, moi je suis pas ton ref, mon frère. Je lui dis t'es un fada. Il me dit c'est bon, tu les hagard tout le temps sur les réseaux. Je lui dis frère, c'est eux qui m'ont hagard. Je lui dis est-ce que moi je leur ai coupé les réseaux sociaux? Je lui dis que ça, je leur rends d'argent, ils continuent à les faire. C'est moi qui ai arrêté de les faire. Est-ce que moi je leur ai envoyé des gens? C'est eux qui ont payé des gens pour venir me faire dire des trucs dans ma story. Et pour me hagard, je lui dis donc viens pas me dire c'est pas bien ce que je fais. Je lui dis sinon dis pas que t'es mon ref. Je lui dis t'as un problème toi. Il me dit non, c'est pas possible. Jazz, elle a payé des gens pour. Je lui dis ouais, il me dit c'est impossible. Voilà, elle c'est ma russe, nanani, nanana, nanana. Bref, je m'embrouille presque avec mon collègue. D'ailleurs, je savais même pas qu'il était proche à ce point de. Enfin bref. Et il me dit, tu sais quoi, viens, on l'appelle. Je lui dis, mais jamais de la vie. Il me dit, viens, on l'appelle. Je lui dis, mais frère, la première fois je l'ai eu au téléphone, elle me l'a mis à l'envers. La deuxième fois, on m'a appelé, oui, t'inquiète pas, elle me l'a remis à l'envers. Je lui dis, je crois quand même pas que je vais donner une troisième fois la joue pour me faire battre. Elle va se faire enculer, tout le monde va se faire enculer. Je dis, j'envoie tout péter. Il me dit, fais-moi confiance, là, moi, je suis là. Moi, t'inquiète, c'est vraiment ma russe, elle sait comment je suis et tout. Il y aura pas de Trafalgar. Je sais pas quoi. J'ai dit, je veux pas. J'ai dit, est-ce que toi, une fois, tu veux t'arranger avec une personne, c'est elle qui te contacte pour s'arranger, elle te la met à l'envers. Une deuxième fois, pareil, tu vas y aller une troisième fois. Si tu vas une troisième fois, c'est que je suis une salope. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison, nanana, mais là, t'inquiète pas. Si s'avère que ce que tu m'as dit, c'est vrai, c'est elle qui a payé les gens et c'est elle qui a si ça, même moi, je la lâche. Il me dit carrément. Je lui dis, bah ok, juste pour lui montrer que j'avais raison et que c'était Jazz la mauvaise, je lui ai dit, ok, vas-y. Il lui envoie un message, il lui envoie carrément une vidéo genre qu'il est avec moi. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit ramène-le-moi. Oh putain, je suis à Cannes, ramène-le-moi. Ça va quand même, bonhomme, elle veut se péter. Moi, je commence à serrer. Je dis maintenant, on part. Vas-y, démarre la voiture, on va à Cannes. Enfin bref, là, Jazz, elle porte ses couilles. Carrément, elle dit ramène-le-moi et tout, elle voulait limite se péter. Et de là, il me dit, tu sais quoi, viens, on va se poser, on se met à l'écart et tout. Il me dit, je vais l'appeler. Je lui dis, bah vas-y, appelle-la. On part et tout. Il appelle en visio. Oh, je vous jure, la famille, les 5 premières minutes, tous les noms d'oiseaux, on s'est insulté de tout. Elle a lancé un ferme ta gueule. De là, je suis monté en pression. C'était du n'importe quoi. Du coup, heureusement, il y avait le ref entre nous deux. C'était au téléphone, hein, mais il y avait le ref qui faisait la médiation. Oh, c'est bon, fermez vos gueules, laissez-moi parler, là, là, là. Mais en fait, moi, j'étais tellement persuadé d'être dans mon bon droit de lui dire voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu m'as fait, voilà ce que tu m'as fait. Et elle, de son côté, pareil, en fait. Et elle, pour elle, c'était de la
Agra pure et dure du acharnement contre elle. Elle ne m'avait strictement rien fait. Elle ne comprenait pas. Donc, on a commencé à parler. Et là, on a parlé pendant plusieurs heures. Et je vous jure, la famille, jamais j'aurais cru dire ça un jour. Mais merci au frérot, à l'ami qu'on a en commun et qui a fait ce lien-là. Parce que j'ai appris des choses. Je me méfiais des mauvaises personnes, tout comme elle se méfiait des mauvaises personnes, et je m'en prenais surtout aux mauvaises personnes. Et la famille, vous savez que avant d'en arriver à cette conclusion, il a fallu me prouver tout de A à Z. Quand je vous dis qu'on est resté des heures au téléphone, on est resté des heures au téléphone. Et après, quand on s'est vu, on est resté des heures, pareil, ensemble, à parler, montrer, justifier, prouver. Enfin bref,